Je rêve d'un tango dans le sol qu'aucun homme ne veut me donner. Je rêve d'un tango de la musique qu'aucun homme ne veut m'offrir. Je rêve d'un abbraccio fluide, tendre et confortable, dans lequel aucun homme ne veut m'emmener. Alors ce tango dans le sol, ce tango de la musique, cet abbraccio fluide, tendre et confortable, qu'aucun homme ne veut, ne peut ou n'est en mesure de me donner, ce tango-là pour lequel je me bats depuis bientôt 14 années, je l'offre à des danseuses. Je donne aux femmes ce que les hommes ne sont pas capables de m'offrir. Pourtant, même certaines femmes ne veulent pas ce que je leur offre. Je sais que ça peut faire peur à certaines d'entre elles, comme ça peut faire peur à certains hommes. Pourtant, cette énergie que nous renvoie le sol, sans la contraction permanente des bras, cette énergie que nous renvoie le sol, je n'ai pourtant pas rêvé. Ce tango dans le sol, il existe bel et bien. Je l'ai vécu dans ma chair avec deux ou trois danseurs et deux ou trois danseuses. Je les compte sur les doigts d'une main. Dommage qu'il et elle habitent si loin. Ce tango dans le sol, je l'ai vécu avec eux et elles. Ils et elles sont rares. Ils et elles m'ont donné leur énergie que leur renvoie leur sol, sans la contraction permanente de leurs bras. Je n'ai pourtant pas rêvé. Chaque cellule de mon corps s'en souvient. Cette fluidité, cette énergie qui nous traverse, c'était magique, c'était même insensé. Personne ne me croit. Pourtant, ces danseurs, ces danseuses ne sortent ni de mon ego, ni de mon imagination. Ils et elles sont faits de chair et d'os. J'ai reçu leur énergie, cette énergie que leur renvoie leur sol. J'ai accueilli cette énergie et mentalement, je n'ai rien compris. Mais mon corps, lui, s'est mis à se mouvoir, seul. Je n'ai pourtant pas rêvé, mais ça fait si longtemps déjà. Il et elle me manquent, je suis triste, parce que c'est le tango que j'aime, que j'adore, par lequel tout passe, les émotions, la musique, la tendresse, le guidage, avec une force démultipliée, incroyable. Les barrages, les verrous, les pierres sont les pires ennemis du tango rioplatense. Le tango se meurt en France, il n'est qu'un simulacre. Et cette énergie que nous renvoie le sol, elle ne mérite pas les barrages, les verrous et les pierres qui font de nos milongas françaises des lieux de douleur, de peine et de désespoir.
Cette nuit, je suis affligé de ne pouvoir partager avec personne, presque personne, ce tango du sol, cette énergie que nous renvoie le sol. Ainsi, je subis une double exclusion. La travestie du tango que les hommes n'invitent guère dans nos milongas de Provence, avec cette énergie que me renvoie mon sol, énergie que personne ne veut recevoir ni donner. Violette, la mariposa de la Guardia Vera. Avignon, lundi 13 janvier 2020. Peace.